Bonsoir. Le moteur est démarré, c'est par la composition de Frank Angelis, qui s'appelle Impasse, c'est le deuxième mouvement de sa suite, qu'il a écrit tout un album pour le duo que vous pouvez trouver dans le kiosque. Maintenant, on va passer en Russie avec un autre compositeur qui écrit pour l'accordéon, c'est Yevgeny Dirbenko, avec une jolie prélude romantique. Thank you.
Je vois que vous êtes aussi sensible que les Russes. Et maintenant, on va vous interpréter quelques pièces de compositeurs classiques qui n'ont pas connu cet instrument puisqu'il est jeune. Vous connaîtrez l'histoire de l'accordéon au musée. On explique bien là-bas. Et donc, on fait les arrangements de la musique classique. Là où l'accordéon, il peut être comme un orchestre, comme trémolo de soufflé, c'est comme le trémolo d'archet. Et on va vous interpréter une pièce avec ses effets spéciaux. De Antonio Vivaldi, vous connaissez les quatre saisons. On va vous interpréter une partie de l'hiver. Merci Ben, beaucoup. Tout à l'heure, vous avez écouté un arrangement
d'une pièce de Aram Khachaturian pour l'accordéon. Là, on va vous interpréter un arrangement aussi pour le piano et l'accordéon. C'est une danse de ballet guyanais, une danse de sabre. Bien. Tout à l'heure, vous avez admiré avec votre sensibilité la pièce de Yevgeny Dirbenko et on va finir notre concert par une autre de ses pièces. Il l'a écrit à la mémoire de Astor Piazzolla, Tango à la mémoire de Astor Piazzolla.